Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors voilà, on se retrouve une dernière fois avec les super points de chez GECO en 0,50 g, plomb pointu, jupe lisse. Cette fois-ci, c'est autour de l'Artemis CP400. Voilà, test en intérieur à 8 mètres. Bah écoutez, je me prépare, on règle l'arme vite fait, on fait ça vite fait, et puis on tirera peut-être à main levée vite fait. Allez, on se retrouve les amis. Voilà les amis, on se retrouve pour ce test de groupement à 8 mètres avec l'Artemis CP400 et les plombs GECO Super Point. Alors j'ai eu du mal à les mettre, hein. Il a bien fallu que je les enfonce, c'est rare. Donc on règle l'arme vite fait. Alors on se retrouve parce que ça s'est encore cassé la gueule la caméra, c'est la saison. Ah, les vidéos faites à l'arrache comme ça avec les caméras posées en équilibre. Ah, j'avais pas éteint mon point vert, mais c'est pas grave. Allez, on essaye. Lentir 2. Voilà, je vérifie où c'est tombé. D'accord. On va en tirer. Oh, ça pue le CO2. Un troisième. Je sens que ça va être galère, les amis. Je sens qu'on va passer, on va faire du réglage et zéro groupement. Je descends. Et à droite de 3. On verra bien. On va retirer 2. Je me demande s'ils vont bien aller ces plombs vu comment ils forcent dans le chargeur. Combien on est, 1, 2, plus 3, 5, il doit en rester 3 je pense. Ça va l'air mieux là, non? Putain, je vois pas où je suis. Vous savez quoi, je vais remonter d'un clic. C'est dingue de rien voir comme ça. Allez. Arme à la sûreté. Plus rien dans le chargeur. Je suis trop bas là. Bon les amis, je règle l'arme, on se retrouve pour le test de groupement. Voilà les amis, bon j'ai pas usé 36 000 gaz, hein. J'ai tiré 3 plombs, voilà. Mais écoutez, c'est parti pour ce test de 16 plombs. Je devrais être pas loin du centre, hein, voilà. Je veux pas passer
ma cartouche de gaz à régler l'arme. Allez, c'est parti. Je me concentre, je m'applique. J'enlève la sûreté. Je crois que c'était le dernier. Ah non. Cette fois-ci, c'était le dernier. Donc je remets 8 plombs. Allez, on continue. Et 8. Arme à la sûreté. Plus rien dans le chargeur. Au résultat. Bon ben voilà les amis, hein, c'est la cata avec ses plombs, mais bon, je vous l'ai dit, hein, il forçait dans le chargeur, donc ça m'annonçait rien de bon. Je ne sais pas quel plomb je vais tester la prochaine fois. Une chose est sûre, je pense qu'avec l'Artemis, je vais arrêter de tester des plombs, puisque j'avais trouvé des bons plombs avec lui qui groupaient dans un seul trou, hein, qui faisait qu'un ou deux trous en cible sur 16 plombs. C'était les écoles de tir. Donc la prochaine séance avec l'Artemis, ça sera avec les écoles de tir pour contrôler qu'ils tirent toujours bien. Hein. Mais il n'y a pas de raison. Je pense voilà, là que les plombs forcent trop dans le chargeur et voilà. Donc on va pas arrêter la vidéo là puisque j'ai déjà préparé les deux autres chargeurs. Donc on va les tirer à main levée, vitesse rapide et puis on va voir ce que ça donne. Allez, on se retrouve. Voilà les amis, on se retrouve pour ces 16 derniers plombs. Donc je suis remonté un petit peu et un petit peu à droite au niveau du réglage par rapport au groupement que j'ai fait. Enfin, au groupement si on peut, par rapport à l'arrosage que j'ai fait. Ça me dépite ce P400 en fait. Mais bon, après, quand il a des bons plombs, voilà, hein, je vous dis, avec les écoles de tir, j'avais fait un bon groupement. Hein, donc il n'y a pas de raison. Hein. Donc là, on va faire un arrosage, mais ça sera encore pire. Il va y avoir le bonhomme en plus. Allez, on est parti. La bonne blague. On est parti. Ah là 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 là. Ah, j'ai pas besoin de rush. Hein. Moi, c'est du direct.
Allez. Allez, pas les genoux. C'est con parce que je suis sûr que le premier, il aurait été plein mille. Là, c'est pas des plombs qui forcent ou qui forcent pas, c'est la détente qui force ou qui force pas. Allez, 8 derniers plombs. Je sais pas si je tire bien. Putain, il force encore plus celui-là. Oh là. Oh là 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 là, j'arrive même pas à faire partir le coup. Voilà les amis. Arme à la sûreté, plus rien dans le chargeur. Au résultat. Voilà les amis, c'est ce qu'on appelle un arrosage. Bah écoutez, c'est pas pire que opposé. Si, un petit peu quand même. Bon ben voilà, ce que je retiendrai, c'est que ces plombs-là, hein, avec l'Artemis, bof bof, ils forcent trop, hein, ils forcent vraiment trop. Voilà, écoutez, j'espère que ce petit test vous aura plu. Et je vous dis à très bientôt pour tester d'autres plombs, peut-être d'autres munitions pour une certaine arme. Voilà, je ne vous en dis pas plus. À très bientôt les amis. Ciao, ciao.